Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa salam wa ala alihi wa sahbihi wa salam tasliman. Chers frères et sœurs, chers abonnés, chers musulmans, chers frères musulmans, salam alaykoum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Chers frères et sœurs, chers abonnés, aujourd'hui nous sommes très heureux, très contents de nous retrouver encore aujourd'hui pour partager ensemble, comme nous avons l'habitude de le faire, un nouveau secret, un secret très très important pour nos frères qui travaillent loin de leur habitation, c'est-à-dire qui quittent dans des zones assez reculées et qui vont travailler dans des coins assez éloignés. Ce secret-là vous concerne car c'est un secret pour avoir un moyen de déplacement, c'est-à-dire un moyen de transport, que ce soit une mobylette, que ce soit un vélo et même une voiture, si vous avez l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un secret très très bénéfique, très très facile à pratiquer et c'est un secret qui répond. Mais c'est le zik qui est pas difficile, mais il faut être endurant. Voilà, il faut être endurant pour pouvoir pratiquer ce secret-là. Parce que ce secret-là se pratique sur un long terme. C'est un secret de la Dalal Khairat. C'est une salat de la Dalal Khairat et un verset du Coran. La salat, c'est Allahumma salli ala raqib al-buraq. Et le verset innamal usri yusra, ces deux combinaisons là vous permettra d'avoir votre besoin, c'est-à-dire un moyen de déplacement plus rapidement, inshallah. Alors tout avant de commencer à partager le secret avec vous, nous avons des notifications, c'est-à-dire sur notre WhatsApp. Vraiment, nous nous excusons beaucoup pour des personnes à qui nous n'avons pas encore répondu. Parce que ça fait un bon bout de temps même que nous n'avons pas utilisé notre WhatsApp. Parce que nous avons eu, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, un petit souci avec notre chaîne que nous avons pu régler, Inch'Allah, par la grâce d'Allah, nous avons pu régler ce problème-là. Vraiment, c'était pas de notre faute, mais ça a été un petit souci technique vraiment qui a été réglé par la grâce de Dieu. Alors tout d'avant, avant de commencer le secret, nous vous demandons toujours de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de partager les vidéos pour que le contenu que nous partageons ici soit vu par des millions de musulmans dans le monde entier et qu'ils puissent utiliser ces secrets là pour leurs besoins quotidiens, Inch'Allah. Et nous vous demandons aussi par ce canal de bien écouter les vidéos, s'il vous plaît. Écoutez très bien les vidéos pour ne pas que vous venez poser des questions encore à ces questions-là que nous avons déjà répondu dans la vidéo. Vraiment, ça se répète assez parce que il y a des gens, je ne sais pas, ils sautent des parties dans les vidéos. Donc, il y a des parties qui n'assimilent pas et ils viennent reposer encore les mêmes questions dans les commentaires. Est-ce que vous voyez? Donc, écoutez bien, lisez toute la vidéo pour que vous puissiez comprendre mieux la recette que nous sommes en train de partager. Parce que quand vous sautez des étapes et que vous venez redemander encore la partie, vraiment, c'est un peu désolant. Mais comme nous sommes une grande famille, nous sommes une grande communauté, nous nous efforçons pour pallier ces petites erreurs-là, Inch'Allah. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? Il faut faire des écritures. Alors, ces écritures-là ne sont pas longues, ces écritures-là ne sont pas assez compliquées. Alors, vous allez écrire en ainsi, « Allahumma salli ala rakhib burak » 100 fois. Et innamal usri yusra 100 fois. Vous allez écrire
vous allez écrire le verset, la solat 100 fois, la solat de la Dalal Khairat, et le verset du Coran, c'est un verset de la sourate Al-Inshira, c'est-à-dire Alam Nashra, c'est un verset de la sourate Alam Nashra que vous allez écrire également 100 fois. Ensuite, il y a un katim que vous allez écrire également et que vous allez mettre vos vœux à l'intérieur, qu'on va voir vers la fin de la vidéo, Inch'Allah. Vous allez tracer le katim, vous allez mettre vos besoins. Vous pouvez demander que Dieu vous octroie un moyen de déplacement, qui vous donne par exemple une voiture, qui vous donne une moto qui va durer, une moto en forme, une moto. C'est-à-dire, le moyen de déplacement dont vous avez besoin, vous mettez ça dans le carré. Ensuite, vous allez chercher une bougie de l'engin, c'est-à-dire une bougie de l'engin, ou bien un morceau de métal de l'engin. Et quand vous allez recueillir le Nancy, vous allez chauffer la bougie ou bien le morceau de métal de l'engin et vous allez mettre dans le Nancy. Et quand ça va refroidir, vous allez prendre le Nancy là pour vous laver tout le corps. Avant de commencer le zik le matin, je dis bien le matin, vous allez faire le zik là pendant 41 jours. Alors pendant les 41 jours, il y a une manière de faire le zik. Après chaque prière obligatoire, c'est-à-dire après chacune des 5 prières de la journée, vous devez faire le zik qui est sur votre écran actuellement. Astaghfirullah 100 fois, Salat ala Nabi 100 fois, Allahumma soli ala rakhib al-burak 100 fois ou bien 1000 fois, Innamal usri yusra 100 fois ou bien 1000 fois. Vous zikrez ça après chaque prière obligatoire pendant 41 jours. Vous faites ça ainsi et Inch'Allah, vous allez voir que même si vous n'avez pas eu la moto, même si quelqu'un ne vous a pas donné la moto, vous allez avoir une somme d'argent pour acheter une moto. Mais de grâce, quand vous allez avoir la somme d'argent, achetez la moto. Je dis bien achetez la moto. Sinon, vraiment, ce qui va en suivre, Allahu Alam. Alors, donc, voici le katim actuellement sur vos écrans. Vous allez écrire le katim dans le Nancy. Voilà. Et ensuite, vous allez l'écrire encore sur un papier pour en faire un talisman que vous devez garder sur vous chaque jour. Le Nancy, on se lave avec ça seulement que le matin. Avant de sortir, vous finissez la prière de Fajr, vous lavez avec le Nancy, vous faites le zik. Et ça, c'est pour toute la journée. Ensuite, quand vous finissez ça, vous mettez le talisman sur vous pendant toute la journée, vous faites le zik avec. Quand le Nancy finit, vous réécrivez encore le Nancy. Vous chauffez la bougie, vous mettez dedans pendant jusqu'à 41 jours. Ou bien si vous pouvez aussi augmenter le Nancy jusqu'à ce que ça puisse vous suffire à 41 jours, il n'y a pas de problème. Alors nous prions Dieu pour que tous les frères et sœurs qui vont pratiquer ce secret-là, qu'Allah puisse mettre la baraka, qu'Allah puisse exaucer leurs prières. Et Inch'Allah, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de partager les vidéos. Nous nous retrouverons pour une prochaine recette, Inch'Allah. Sur ce, portez-vous bien. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.